et 1, et c'est reparti. Voilà, alors, World of Tank, il faut que j'actualise, que je mette, hop, vous avez l'écran noir, c'est normal. Hop, voilà, vous n'avez plus écran noir, comme ceci. Petite caméra, ici, en bas, à, où est-ce que j'ai mis, à gauche, je crois. Voilà, là, à gauche, comme ça. Alors, rejoignez le canal, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe. Vous lancez World of Tank, c'est un jeu gratuit. Si vous ne l'avez pas encore, vous allez galérer pour le jouer, pour jouer ce soir sur le live, parce qu'il fait 4 gigas, mais... on refera des lives dessus. Donc, vous ouvrez le jeu et vous allez dans Canaux, rechercher et rejoindre. Vous tapez AS2PIK, rechercher. Vous trouvez AS2PIK, vous double-cliquez dessus et hop, et j'ai le canal ici. Et il y a déjà 2-3 personnes qui sont dedans, donc n'hésitez pas à rejoindre. Je vous ajoute en ami et après j'invite tout le monde et ce sera random ceux qui sont sélectionnés. Alors, on va jouer en tiers 1, 2 et 3. Je prendrai mon tiers 3. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que vous avez des tiers 1 ou 2. Ou 2, donc vous faites pas de soucis. C'est le niveau, en fait, de vos chars. Donc voilà, hop. Alors par contre, c'est très très chiant, très très long. Donc ce que je vais faire, je vais pas ajouter trop de monde pour le moment. Il faut que j'attende, en fait, 5 secondes entre chaque personne. Donc, hop, voilà. Donc je vais ajouter les 1 ou 2 personnes. On va faire une partie, et après je referai le compteur d'une minute 30, et pendant ce temps, d'une minute 45. Et pendant ce temps, je rajouterai des gens. Donc même si vous n'êtes pas sélectionné pour cette partie, ce sera pour la suivante. Alors, hop, voilà, j'ai ajouté 3-4 personnes, c'est qui, c'est Ratila qui me parle. Ok, Ratila est présent, donc on invitera Ratila direct. Alors, création, compagnie de chars, bataille d'entraînement, voilà, on va créer une salle, voilà, comme ceci, on va prendre grand parc, non, on va prendre falaise, ça a l'air pas mal. Ok, je prends, je fais inviter, je sélectionne tout le monde, inviter, et voilà, normalement vous avez tous reçu une invitation. Et je vais sélectionner les chars 1, 2 et 3 maximum. Et après, on fera une partie avec des tiers 4 et une partie avec que des tiers 1. Donc, il y aura du fun. Alors, on a LSR qui est là, Ratila qui est là. Voilà. Et maintenant, je sélectionne hop, les gens. Alors, évidemment, il va pas y avoir trop de monde pour le moment. Donc, je vais continuer d'ajouter des gens. Alors, c'est malheureusement maximum 15v15. Donc, justement, tout le monde ne peut pas jouer en même temps. Mais j'essaie de sélectionner le plus de joueurs possible. Donc là, vous voyez, je pique vraiment random dans les chars qui sont de bonne... 1, 2 et 3, voilà. Il y a encore des gens qui rejoignent, voilà. Alors je vais, du coup, en attendant, ajouter des gens. Alors ça sert à rien de crier moi. Si je vous ai dans la liste d'amis, j'invite tout le monde, en fait, et après je pick up au hasard les personnes qui sont dedans. Voilà, alors on en a un de plus. On en a... Alors tiers 4, 5 va 20, s'il te plaît, descends. Mets-nous un tiers 3 ou inférieur. Ça m'étonnerait que tu aies que du tiers 4, quand même. Sinon, tu as beaucoup, beaucoup trop de temps pour jouer. La cam est pas bien placée, je la replace après, ne vous en faites pas. Là, je l'ai mis full random. Hop, alors, Vavin a quitté, donc il va probablement changer de char. Voilà. Hop, The Dark. Je fais maintenant comme ça, réinviter comme ça, je réinvite tout le monde. Parce que là, il y a pas mal de monde connecté, hein, quand même. Donc, voilà. Donc, je rappelle le canal AS2PIK, tout en minuscule, tout bien, tout ça. Hop. Là, j'ajoute encore 2-3 personnes. Ok, alors on est à quoi? On est à 10 contre 10, on va essayer à 11 contre 11 déjà. Hop, j'invite encore. Alors désolé s'il y en a qui ne veulent pas jouer avec moi et que j'invite 3 fois l'invitation, j'envoie 3 fois l'invitation. C'est juste que je peux pas filtrer, en fait. Il faudrait que je retire tout le monde à chaque fois et remette tout le monde, mais le système d'amis est tellement mal foutu que je ne peux pas le faire. Hop, voilà. Alors, hop là, 11 contre 11. Tout le monde attire 1, 2 ou 3, ouais. Là, il y en a un dernier. Donc oui, partie. Après on fera une partie tier 4, donc 5 va 20, si t'as pas d'autres chars, tu vas pouvoir rejoindre après. Voilà, donc on va faire du 12 contre 12, on y va comme ça parce que sinon c'est beaucoup trop long pour le chat. Et c'est donc parti. Et après, je fais une pub de 1 minute 45 et j'inviterai d'autres personnes. Donc le but du jeu, deux équipes, plein de chars différents, et simplement soit d'exploser toute l'équipe adverse, soit d'aller prendre le point. Donc là vous voyez, ça c'est notre point, faut aller prendre le point rouge qui est en haut de la map. Voilà, alors là je peux replacer la caméra correctement. Voilà, comme ceci. Excellent. Excellent. Et là, dans 30 secondes, c'est parti. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des alliés. Les ennemis sont en rouge sur un minimap. On ne les voit pas. On les voit seulement si un joueur les voit. Donc, voilà. Loa. Je sais pas ce que je fais après. On verra. Et arrête de flouder 3 fois ta question. Une seule fois les questions si vous prenez des kicks. Et donc, c'est parti. Donc, moi, j'ai un tier 3. Ça veut dire... char de niveau 3, on commence évidemment par du char du niveau 1. Et après on gagne l'expérience, on peut améliorer nos chars, tout ça, tout ça.
Et c'est parti. Que le spectacle commence. Alors, évidemment, mon char ne va pas très très vite. Enfin, évidemment, non, mon char ne va pas très très vite. Certains vont plus vite, certains sont plus puissants que d'autres, sont plus lourds. Il y en a qui ont de l'artillerie à distance super puissante. Je vous montrerai ça. L'artillerie, c'est très très fun à jouer. Tu devais pas faire un live WoW. Alors oui, mais malheureusement, le WoW a fini de se télécharger pendant que je jouais à Minecraft. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a planté avant un peu. Donc, peut-être après. Mais je pense pas. Ce sera plutôt vraisemblablement dans quelques jours. Peut-être demain, peut-être ce week-end, peut-être la semaine prochaine. On verra. De toute façon, restez à l'écoute sur la chaîne YouTube. Je ferai des vidéos d'annonce pour les lives. Donc voilà, bon, alors on a un premier ennemi qui est apparu, alors hop, 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 et quand on le vise, on fait comme ça, hop, et on le voit direct, j'ai tiré à côté, évidemment. Boum. En plein dans le mille. Il a rebondi. Voilà, il est out. Un de moins. Un de moins, un de moins. Donc oui, ce char de niveau 3, moi j'ai un char qui tire assez rapidement, mais qui fait pas énormément de dégâts. Et, enfin, il fait pas mal de dégâts quand même, il se recharge assez rapidement, mais je me déplace très très lentement. Je vous montrerai l'artillerie après. Alors non, là, il y a zéro drop, zéro lag, hein, donc c'est pas moi qui lag. Enfin, j'espère. Les gens, est-ce que vous laguez? Dites-moi juste oui ou non. Pas de truc, juste oui ou non. Lag, oui, non. Non, 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 alors, il y a un rouge là-bas derrière. Ok, je prends ça pour un non. Donc s'il y en a qui lag, c'est de votre faute. Là, pour le coup, c'est... Il n'y a pas à chier. Hein. C'est... Tout le monde dit non, sauf un ou deux. Donc voilà. Mais évidemment, il n'y a que ceux qui lag qui se plaignent. Merde. Alors là, vous voyez que ma chenille a pris cher. Et du coup, je me déplace plus lentement. Je peux aussi péter ma chenille. Oh. Qui est-ce? Bonjour. Oh, j'ai tiré à côté. Oh, je l'ai manqué. Ah, je l'ai touché. Merde. Un kill. Olé. Encore un kill. Enfin non, il est pas mort, mais presque. Voilà, prochain tir. Il est mort. Merde, c'est pas moi qui l'ai eu. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de capturer notre base, donc vite, 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 rusher au drapeau adverse. Bon, ça va, on est plus dans le... Donc, plus on est vers le drapeau, plus on capture, mais vous voyez, il y a deux barres. Il y a une barre verte, une barre rouge, c'est les ennemis. La barre verte, c'est nous. Et donc, on est... Ok, ils sont plus en train de capturer le point, donc GG, on va la gagner, normalement. Ils ont repris, recommencé, mais on va plus vite. T'as entendu parler de Tristocraft? Absolument pas. Non, non, non. Alors... Il faut aller sur quel canal pour le jouer? Le canal As de Pique, A-S-2-P-I-K, tout en minuscule. Et par contre, j'ai pas regardé sur quel serveur je suis, moi j'ai pris en random, je dois être sur le serveur 1, je pense. Ouais, What EU1, donc si vous êtes sur EU2, il faut changer, mais je sais pas comment faire. Bon, GG, en tout cas, on l'a gagné. Alors, ce que je vais faire du coup pour ajouter des amis, je vais vous faire la petite pub, la petite pause de 1 minute 45, et je vous reprends après. Venez dans le canal, je vous ajoute en ami, et après on refait une partie, voilà. Cela dit, je peux continuer de vous parler pendant qu'il y a le chrono, mais là, faut que je me concentre parce que le chat est super mal foutu. Donc à chaque fois, ça reset, j'arrive pas à ajouter les gens, ça va trop long. Mais bon. Allez, il me reste 1 minute. Alors par contre, ceux que je vais inviter, tier 4 cette fois, uniquement tier 4. Si on n'a pas assez, je prendrai des tiers 3. Mais je pense, vu la quantité que vous êtes, je devrais pouvoir remplir une partie de tiers 4.
Et comme ça, je pourrais prendre moi également mon tier 4. Donc vous verrez, ce sont des chars beaucoup plus puissants, plus rapides, avec plus de spécialisation que les chars qu'on a au début. What, 20 secondes déjà? Mais j'ai ajouté à peine la moitié. Fuck it. Mais fuck it. Voilà, 3, 2, 1, je suppose que ça veut dire que je dois reprendre, donc je vais reprendre. Voilà, j'ai ajouté plein de monde, pas encore tout le monde, désolé. Je refais une partie, on refait la même chose pour la prochaine. Donc supprimer la salle. Faut que je me remette le jeu en fait. Voilà, c'est mieux. Je recrée une salle. Prenez donc des tiers 4. Si vous n'avez pas, prenez des tiers 3. Si vous n'avez pas des tiers 2, je ne prendrai pas de tiers 5 par contre. Ça va être beaucoup trop déséquilibré. Beaucoup trop puissant si on doit prendre des tiers 3 en face. Alors, on va prendre ça comme map. Voilà, je vais inviter tout le monde et le temps qu'ils acceptent, je vais aller changer de char parce que je n'ai pas pris mon tier 4. Alors, garage et mon tier 4, c'est le hop là, M5A1 Stuart. Hop, et je vous montrerai après l'artillerie. As-2, tu n'es plus sur le Warsite? Non, je ne suis plus sur Warsite. Je suis maintenant sur Eclipsia, donc sur le site sur lequel vous êtes. Alors, ouais, on a pas mal de tiers... Enfin, pas mal, non, on a quelques tiers 4. Donc prenez... Ok, bah, il y a des mêmes que miens. Y a-t-il d'autres tiers 4? Ouais, là, il y en a un qui... Merde, je l'ai loupé. Hop, tiers 4. Et la partie prochaine, on fera que des tiers 1. Donc, ceux qui ont des tiers 4 n'ont peut-être pas de tiers 1. Merde, loupé. N'ont peut-être pas de tiers 1, mais c'est pas grave, ça fera un roulement. Putain, mais c'est vraiment de la merde, ce truc, ça reset à chaque fois. 1... Voilà, tier 4. Là, j'ai que des tiers 4 pour le moment. Ça a l'air de se remplir gentiment. Hop, hop, hop. Par contre, ne changez pas une fois que je vous ai sélectionné. Genre là, il y en a un qui a pris un tier 3 à la place. Du coup, on va mettre un tier 3 dans cette équipe-là. Il nous faudra encore un tier 4, peut-être. Voilà, un tier... Merde, là, j'en ai vu un. Il est là. Alors, là, on est 7 contre 7. Il y a un tier 3 de chaque côté, sinon c'est que des tiers 4. Est-ce qu'on a encore des tiers 4 qui traînent? Non. On va y aller comme ça, à 7 contre 7. Et on fera la partie après, avec que des tiers 1. Donc voilà, parce que sinon, ça va être chiant si on fait que ça. Et vous savez quoi? J'ai l'impression que c'est Minecraft qui fait des drops, parce que là, le jeu réclame plus au niveau réseau, et j'ai zéro drop. Donc c'est Minecraft le problème. Minecraft déjà qui m'empêche de stream, de record. Donc voilà. Ah, et j'ai plus de son. Je pense que j'ai mon casque qui n'a plus de batterie. Voilà, c'était exactement ça. Mon casque n'avait plus de batterie, donc je n'avais plus de son. Et c'est donc parti tier 4, tier 4, tier 4, que tier 1 sinon. On a combien? On a un M5 et A1 comme le mien. On a un M5 Stuart. C'est pas exactement le même, je sais pas. Donc voilà, bon bah c'est parti. Alors sauf erreur, si je me souviens bien, mon char tier 4 se déplace très vite. Ouais, il est plus rapide. Les tirs se chargent très vite, mais je suis très fragile. Alors c'est quel jeu? Il s'agit de World of Tanks. Donc oui, vous voyez qu'il n'y a aucune interface là, aucune enjolivure sur le live, mais ça viendra, là c'est juste parce que j'ai lancé le stream un peu pour tester Eclipsia, si tout se passait bien, etc. Donc voilà, et ça va venir donc dans les prochains jours, prochaines semaines, et d'ailleurs je le répète, si jamais vous êtes motivé, si vous avez des bonnes connaissances en Photoshop ou en vectoriel, etc., et vous avez envie de me faire soit des logos, soit des interfaces pour le live, les DHUD et tout, n'hésitez pas à m'en faire, à m'envoyer ce que vous... Oula. À m'envoyer ce que vous faites, et si c'est joli, envoyez-les-moi peut-être soit sur Twitter, soit sur message privé, YouTube, soit même sur... Hop là. Oh putain, il a le même que mien. Alors ouais, donc pour le moment, vous m'envoyez vos créations, musique aussi, je cherche des musiques d'attente, des musiques de fond, etc. Donc, si vous voulez me faire ça, il n'y a aucun problème. Je prends. Aïe. Oh putain, je prends trop cher. Je prends trop cher. Putain, je vais péter. Ah. Ok, bon, j'ai au moins fait un kill. Par contre, je vais crever. Merde, voilà. Moi, j'ai pété. Bon, moi, j'aurais fait un kill. Ouais, donc, je répète. Si jamais vous voulez me faire des HUD, donc des HUD pour enjoliver tout ça avec la webcam, un petit logo du jeu, Eclipsia, etc.
Si vous voulez me faire ça, si vous voulez me faire un logo, si vous voulez me faire des musiques d'ambiance, comme par exemple Nebulian m'en avait fait une, c'est très volontiers. Je créerai une adresse mail demain, je vous la donnerai au prochain live. Mais en attendant, vous pouvez m'envoyer sur Twitter et sur YouTube en message privé. Et si jamais c'est des belles créations, bah je vous contacterai. Et par contre, ne prenez pas mal si vous n'avez pas de réponse. C'est peut-être que c'est pas la qualité que je recherche, etc. Donc voilà. Bon, alors écoutez, ce qu'on va faire. Encore une petite... Je sais pas quoi. Encore une petite pause de 1 minute 45. Je rajoute encore des joueurs. Et la prochaine partie, ce sera tier 1 uniquement. Donc les niveaux 1. Donc allez, hop, on met la pub. Mais je continue de vous parler hein, pendant ce temps. Parce que voilà. Où est-il d'accord, j'ai fermé le canal. Voilà. Et je commence à rajouter des gens. On va partir par le bas cette fois. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez jouer au jeu, même quand je suis pas en live, si vous voulez jouer, faire des parties d'entraînement avec d'autres personnes, n'hésitez pas à venir sur le canal AS2PIK, à rester sur le canal AS2PIK, et puis à discuter avec les gens qui sont là, si vous voulez faire des parties. Alors moi, quand je joue en général, je joue sur le ladder, donc je peux pas jouer en équipe, je joue pour améliorer mes chars. Mais si vous voulez faire des parties d'entraînement contre d'autres personnes de la communauté, n'hésitez pas à rester ici. Donc je répète, hein, le jeu il s'agit de World of Tanks, un jeu gratuit. Hop. Un petit peu pay to win, mais bon, il faut bien vivre. Il faut bien qu'ils vendent leur truc. Mais non, vous pouvez vraiment vous éclater avec ce jeu sans rien payer, juste en faisant des combats et en évoluant, etc. En évoluant vos chars, donc voilà. Hop. Alors, je rajoute des personnes. Alors désolé, il y en a encore des... Là il me reste 27 secondes, je vais de nouveau pas pouvoir en ajouter beaucoup. Je ferai une fois une razzia. Je vous dirai hors live, peut-être une heure avant le live, venez sur le chat et j'ajouterai tout le monde avant le live, ce sera plus simple. Là pour le moment j'ajoute à la volée, je prends au hasard. Il me reste 11 secondes, je vais pouvoir en ajouter encore 2. Voilà. Ah merde, ils m'en font un dernier, lui. Voilà, et je remets ça, voilà. Non, c'est pas ça, c'était le jeu que je voulais remettre. Voilà, merde, c'est pas là le jeu. Ah, ben, hop, ah, voilà, on y arrive. Voilà, alors désolé, ça ne sert à rien de flouder, hein, je sélectionne pas là-dedans. Et j'ai refermé le canal, bon, pas grave. Bref, on va refaire une partie, donc tier 1 uniquement cette fois. Donc je vais reprendre mon tier 1 qui était très fun à jouer. Il est là. Combat entraînement, voilà, je supprime la salle, je recrée la salle, on va prendre Murovanka, bataille interrompue, impromptue, donc là il y a un seul drapeau à capturer, donc il faut défendre, prendre la zone et le défendre. Donc j'invite tout le monde, hop, voilà, donc tier 1 uniquement les gens, là je sais qu'il y aura bien plus de monde qu'il y aura que du tier 1. Alors hop, 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 je vais voir si les Sariratilas sont là. Ratila est là, j'ai eu Ratila. LSR, est-ce qu'il y a LSR? Alors là, il y a tout le monde qui rejoint, donc je vais avoir de la peine. Donc uniquement des tiers 1. Non, là, il y a un tiers 4 qui s'est immiscé. Hop, le tiers 4 il sort. Alors Ratila. Non, c'est LSR, pardon. LSR. Ah, mais c'est de la merde ce machin, mais c'est une merde. Bon, je sais quoi, j'ajoute le plus de personnes comme possible, comme ça foudra déjà moins. Hop, hop. Il y a des hors lignes, je sais, je les enlèverai après. Je pique vraiment au hasard. Alors, LSR, est-ce que je l'ai déjà sélectionné? Non. Hop, hop. Merde, j'ai repris un tier 4. Et un tier 8 là qui traîne là au milieu. Donc ça, c'est les, je le répète, hein, c'est les niveaux. Tier 8, c'est presque le niveau max. Le niveau max, c'est tier 10. Et tier 10, c'est des trucs de malade. Alors, là, ils sont 15. Est-ce qu'il y a LSR là-dedans? Non. Est-ce qu'il y a LSR là-dedans? Non. Est-ce qu'il y a LSR là-dedans? Est-ce que LSR est là? Ah, bah tiens, j'ai plus de souris. Ah, super. Ah, fuck. Ah, j'ai plus de souris. Ah, bon, bah on change de souris. Hop. Il faut que je retrouve l'embout de là. Il est là. Donc je replug la nouvelle souris. Hop. J'ai toujours une souris de secours. Hop. Ah, Azeuf, feras-tu un live sur Injustice? Non, je n'ai pas de PS3. Et je sais pas s'il est sorti sur d'autres plateformes, mais je suis pas fan de Versus, donc... je ne pense pas.
même si le jeu a l'air fort sympathique. Bon, alors, LSR apparemment n'est pas là. Désolé si t'es là, LSR, j'ai été loupé. Iratila a quitté, donc on sort Iratila. Hein. Et voilà, il y a 15 personnes. Désolé à ceux qui n'ont pas joué, je pique vraiment au random. Là, on a que des tiers 1, que des tiers 1. Donc c'est parti, go! As2, joues-tu à S4 League? Non, je n'ai jamais essayé ce jeu. Peut-être une fois, pourquoi pas, mais pour le moment pas. Voilà, et nous sommes donc partis. Donc moi j'ai un canon, donc tir 1, un char tir 1, donc c'est la base. Et il tire 5 munitions par 5 munitions. Donc vous voyez en fait, dans mon viseur en bas à gauche, il y a des petites encoches, il y a 5, 2, 4, ouais, il y a 5 petites encoches, ça veut dire que je peux tirer 5 fois avant de recharger. Ce qui est rare, sur les chars, il y en a peu qui sont comme ça. Mais du coup, il fait moins de dégâts par tir. Donc voilà. Tu reprends une expression de Zelvac fort sympathique. Non, il me semble que j'ai toujours dit ça, mais... Prévois-tu de nouveaux projets pour YouTube? Nouveaux... Oui. Spoiler, non. Mais il y a des nouveautés qui vont arriver sur YouTube, ne vous en faites pas. J'ai entendu parler du projet Gamerslayer. Nope. Ok, par contre, vous évitez de me tirer dessus, hein. Sinon, je vous vire simplement. Ah, tu joues souvent à What? Ça m'arrive quand je m'emmerde ou quand j'ai envie de me détendre entre deux trucs pour mes cours. Ça m'arrive de jouer une ou deux parties après je livre. Est-ce que tu joues. Est-ce que le jeu est jouable en 32 bits? Ouais. La question c'est surtout est-ce qu'il est jouable en 64 bits? Là en l'occurrence, oui, mais il y a plus de probabilités qu'un jeu ne soit pas compatible 64 que 32. Tu vas refaire du Minecraft? Oui, mais pas ce soir, non. Ce soir, je vais stream ça encore une petite demi-heure, je pense jusqu'à 23h30, 23h45. Et après, alors soit je couperai, soit je ferai autre chose, on verra. J'ai pas cours demain, donc je peux me permettre de streamer encore un peu, mais je sais que vous avez cours pour la plupart. Ah non, quoi qu'il y en a encore en vacances en fait. Oh, il est où? Il est là-bas. Alors, zoom. Et feu. Merde, il y en a qui me passent devant en même temps, désolé. Ah, sorry, The Dark. Tu m'es passé devant exactement au moment où je tirais. Ok, il a pris cher, vous voyez, donc là j'ai tiré plein de coups, mais du coup, je prends cher. Merde, 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 je suis en train de prendre cher. Ah, oh merci, il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Ah, du coup, alors, ouais, bon, je vais péter, hein. C'est presque sûr. Il y a des zones plus fragiles que d'autres sur les chars. Et là, ils sont en train de prendre le point. Donc par exemple, l'arrière d'un char est beaucoup plus fragile que l'avant. Si vous tirez dans les chaînes, vous risquez de péter les chaînes du char adverse et du coup il pourra plus bouger. Si vous tirez dans... Merde. Vous pouvez leur mettre le feu. Il est vraiment bien foutu, super complet le jeu, donc c'est vraiment un très très bon jeu. Bon bah voilà, écoutez, je suis mort. Et vu le people qui attend, on va se refaire une partie. Tiers 1, 2, 3 de nouveau. Voilà, comme ça, ceux qui sont en partie. Ne livrez pas la partie si vous êtes encore dedans. Hein. Gardez-la et puis hop. Comme ça, ça permet aux autres, à tout le monde un peu de jouer. On va prendre cette map-là. J'invite tout le monde. Inviter. Hop. Donc, tiers 1, 2, 3. Hop, je vais pas... Alors, voilà. Là, il y a du monde qui join. Ah, et, évidemment, j'ai ma souris toute moisie, donc voilà. Hop, hop. Hop, je pique au hasard, il y a Ratila qui est là, je t'ai vu, Ratila. Ratila, il est là. Ratila. Ok. Tiers 1, 2, 3, je vérifierai une fois que je vois tout sélectionné. Hop, donc là, il y en a encore qui sont dans la partie, donc tant mieux, ça fait un peu de roulement au niveau des joueurs. Hop, 10, 10, 11, 12. Est-ce que LSR est là? Non, LSR n'est pas là, ou à moins qu'il soit sélectionné. J'ai pas regardé. Alors là, par contre, il y a un tir 4, on va pas le prendre. 13, 13, 14, 14, 15, un petit dernier, le tier 4, désolé, je ne te prendrai pas, c'est tier 1, 2 ou 3 maximum. Là, on est bon, là, on est bon. Allez, un petit dernier. Un petit dernier, voilà, un tier 3, hop là, et voilà, 15, 15, et c'est parti. As2, je suis jamais pris. Oui, bah c'est du pur hasard, je suis désolé. Ce qu'on va faire à la fin du live, ne quittez pas le jeu, restez dans le salon As2 pique et je piquerai encore ceux qui ne sont pas dans mes amis. Mais c'est chiant de faire ça en live, c'est chiant pour ceux qui regardent. Donc voilà. Tu
Tu fais quoi après? Je pense que je vais couper le live. On fait encore 2-3 parties, après je couperai le live. Donc c'est parti. Tu as la Xbox? Non, je n'ai pas de console. La seule console que j'ai, c'est une Wii que je n'ai pas allumée depuis bien une année en tout cas. Tu fais un live demain soir? Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. On verra. As-tu pourquoi tu as quitté la stream de Warsit? Alors je te conseille, je vais pas le réexpliquer. Ouais, quoi, je peux le réexpliquer. Les gens étaient très sympathiques et tout, mais je streamais sur une web TV que je ne regardais pas. Il y avait beaucoup trop de LOL dessus. Je n'aime pas LOL. Et la qualité des streamers n'était, je pense, c'était trop amateur, disons. Et moi, je cherche quelque chose un peu plus engagé et tout. Donc voilà. Et j'ai reçu après. Alors, je le dis, hein, j'ai pas quitté Warsit pour Eclipsia. J'ai décidé de quitter Warsit il y a une semaine à peu près. Voilà. J'ai décidé de quitter Warsit il y a une semaine à peu près, et cet après-midi, j'ai reçu l'offre de Eclipsia. Donc voilà. Et sinon, par rapport à Zerator, je restreamerai avec lui très probablement, donc ne vous en faites pas. Allez, bon, alors vous voyez que lui, il a un design custom, c'est un premium. Lui, il est premium sur le jeu, et du coup, il peut custom son char. Je crois. Il me semble que c'est ça. Alors, il y a du monde en face. On va s'arrêter par là. Où sont-ils? Genre, là-bas, en haut, il y avait quelqu'un. Aïe, ne tapez pas dedans. Go, go, go. Tout le monde me suit. Go, go, go. On peut traverser la rivière, je crois. On peut traverser la rivière. Rien de tel que l'expérience. Connais-tu Hardfight? Non. Azé, tu reprends quand SimCity? Je sais pas, pour le moment le jeu me saoule, donc je ne fais plus de SimCity pour le moment. Disons que j'ai exploré à peu près tout ce qui était faisable sur le jeu. Donc voilà, le jeu me saoule. Et même la dernière mise à jour a en plus glitché tous mes mondes, j'ai dû recommencer toutes mes villes. Donc voilà. Azé, tu pourrais faire des maps PVP faites par des abonnés. Ouais, je pourrais, mais le problème c'est que je reçois tellement de maps et tellement de choses que j'ai pas le temps de tout tester. Mais je regarderai une fois le cas. Si une fois j'ai plus de temps, donc par exemple après mes études, donc cet été quand j'aurai fini les cours, j'aurai un peu plus de temps. Aïe! Merde, voilà. Vous voyez, par exemple là j'ai plus de chenilles et du coup je peux plus bouger, elle est en train de se réparer. Et dès que j'aurai de nouveau, je pourrai rebouger, mais lentement. Alors là il y en a un qui speed. J'aurais essayé. Voilà, là elle est réparée, je peux de nouveau bouger. Lentement mais sûrement. Allez, lui. Merde! Il m'a eu. Bon bah, GG. Lui m'a eu. On fait As 2 pour avoir des magnifiques champs de grillons. T'habites dans quel coin? Ah, vous entendez les grillons? J'habite en Suisse. Mais les grillons, en fait, j'ai un élevage de reptiles, de lézards. Attendez, est-ce qu'il y en a un? Ah, je peux vous en montrer un. Attendez. Alors, je vais fermer ça, je vais couper le son du jeu et je vais vous montrer un de mes lézards. Ça fait longtemps que je vous en ai pas montré. Le petit Enderpie, le petit est juste à portée, donc. Attendez, je vais faire ça comme ça, je vais vous mettre la webcam en grand et je vais aller vous chercher un lézard. Voilà. Voilà, alors attendez, quelques secondes, je vais chercher le lézard. Il veut bien. Bonsoir mon joli. Voilà, alors je vous présente mon gecko léopard. Voilà, si vous voulez bien regarder la caméra, voilà, je vous présente mon gecko léopard. Ah, donc lui c'est un nocturne, donc lui il ne dort pas, c'est pour ça que je peux vous le montrer. Si je fais un stream de jour, une fois je montrerai le gros, donc j'en ai un autre, c'est un Pogona, qui... Alors je sais pas si vous m'entendez bien par contre, c'est un Pogona, mais donc là il est en train de dormir. Donc voilà, donc ça c'est un gecko léopard. Vas-y, tu fais de l'élevage pour le plaisir? Oui, par plaisir. Oui, je suis un passionné de lézard, donc c'est pour ça. Voilà, bon, je vais le remettre à l'abri. Et donc les grillons, évidemment, c'est... Il faut bien les nourrir, les lézards. J'ai un élevage de grillons. Et j'ai en fait un connard de grillons qui se balade dans le terrarium et je n'arrive pas à le choper. Depuis un bon moment. Et là, je ne sais même pas si vous étiez en train de m'entendre quand je parlais. Bref. Hop. Ils ne supportent pas le soleil. Faux. Ils adorent le soleil. Les UV. Seulement à petite dose.
Voilà, bon, alors écoutez, on va se faire une dernière partie. Il est 23h17, on va se faire une dernière partie. Et après, je vous laisserai. Donc, non, ils n'ont pas encore fini la partie. Donc, on va faire avec. Ok, full tier 1. Oh, non, on va faire tier 2. Uniquement des tier 2 et je vais vous montrer un char. Ah non, non, non. C'est pas vrai, non. Tier 1, 2, 3 et je vais vous montrer un char automoteur. Donc, comme je vous disais, l'artillerie. Donc, tier 1, 2 et 3. Je vous montrerai ce que c'est du coup. Alors, on va jouer sur Kareli. Hop. Ah zut, tu joues à Terraria ? Alors j'y ai joué énormément à Terraria, il y a très longtemps, et j'y ai pas joué depuis longtemps, je me suis un peu lassé, disons que j'ai vraiment fait une quantité d'heures dessus, je dois avoir plus de 70 heures dessus, donc voilà. C'est bon, j'ai invité, vous en faites pas, ça arrive, un peu de patience. Ah, et pourquoi je sélectionne ce qu'on quitte ? Alors go, hop, hop, donc tier 1, 2 et 3, je prends random, on s'en fout de l'équilibrage des équipes, là il y a un tier 4, donc non, hop, 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 hop. Hop. Alors, est-ce qu'on a Ratila ? Est-ce qu'on a Elsar ? Ratila, Elsar, Ratila, Elsar. Ouais, il y a Ratila. Il y a Ratila, il y a Ratila, il y a Ratila. Je l'ai vu passer. Il était où ? Ratila. Où es-tu, Ratila ? Bon, attendez, je vais ajouter, je vais remplir et je prendrai Ratila après. Hop. Donc là, masse random. Donc, tier 1, 2, 3 max, les gens, s'il vous plaît. Je ne prends pas les autres. Hop. Alors, 11, 10, est-ce que Ratila est là ? Ratila est là. Il a quitté pour le moment. Alors, 13, 14 et 15. 13, on va prendre que des tirs 3 non plus. 14 et 15. Voilà, alors on a Ratila qui a quitté, sinon le niveau c'est bon, donc on va virer Ratila. Désolé Ratila. C'est la deuxième fois que tu nous fais ça. Hop. Et il y a Matt qui a quitté aussi. Ah non, Matt est de retour, c'est bon. Alors 15-15, que des tirs 1, 2, 3. On est bon, c'est parti. Et j'ai mon canon automateur, je vais vous montrer ce que c'est. Pourquoi tu cherches tout le temps Ratila ? Parce que c'est un ami. Ce soir, c'est pas du Minecraft. Minecraft est terminé, c'était en début de soirée. Jusqu'à 20, j'ai fait 21h-23h du Minecraft et donc je finis une petite demi-heure de World of Tanks. Ah, il y avait Shifu aussi. Merde, désolé. Alors, je sais pas si j'ai sélectionné Shifu. J'ai vraiment piqué au hasard. Oh, au hasard. Je voulais dire. Alors, vous êtes encore 1100. Bonsoir. Tu l'as eu où, ton gecko ? Bah, je l'ai acheté en animalerie. Non, c'est pas vrai. Je l'ai acheté à un privé, lui. C'est un privé qui faisait un élevage. Tu comptes reprendre bientôt FTP ? Bah, quand le serveur... quand FTP saison 2 aura commencé. Allez, c'est parti. Donc, alors, canon automateur, je vais vous montrer. J'arrête de lire les questions pour une petite minute. Voilà. Donc moi, je vais me planquer dans un buisson. Ici, par exemple. Donc on est moins visible, évidemment, dans un buisson. Hop. Et merde, j'ai pété un arbre. Ça, c'est visible, par contre, sur la map. Hop, voilà. Et du coup, maintenant, quand je vise, j'ai une vision du dessus. Hop, comme ça. Et voilà. Bah, par exemple, là, il y en a un qui est en train de rusher. Il est là. Donc, le rond jaune, le rond vert, pardon, c'est où je peux tirer. Ok, bah il s'est fait exploser, il s'est fait foncer dedans. C'est où je tire et quand je ne bouge pas, ça diminue. Ok, alors il y en a un deuxième. Hop. Allez. Feu ! Merde ! J'ai tiré trop tard. Alors, vous voyez, regardez, là le rond il diminue, mais si je tourne un peu tout d'un coup, pouf, le rond grandit. C'est simplement que le canon il a une très très petite. Il peut tourner vraiment un tout petit peu, et du coup quand il doit tourner le char, ça fait pouh, ça grandit une chier. Alors voilà, hop, là il y en a un. Donc quand le trait est vert, c'est que j'arrive à tirer. Donc et feu. Ah merde, bah ça a tiré sur le rocher là. Et vous voyez, par exemple, si je tire là, c'est trop près du rocher, donc je ne peux pas tirer, le trait est rouge. Là c'est juste assez loin. Bon bah du coup il est mort. Oh, il y en a un juste derrière, mais comme c'est dommage. Allez, recharge. Merde, bah il est mort. Là, c'est en train de recharger. La recharge est très lente sur ce jeu. Et il est où le troisième ? Il y en a un autre. Ah merde, il est là. Ah, lui, je peux pas l'avoir par contre. Il est trop près du rocher. Il y en a un derrière. Il y en a un là. Donc là, je suis le campeur en fait. Voilà, j'ai le rôle du campeur. Et lui, il va crever. Yes, je l'ai eu. Et là, il y en a un deuxième juste derrière. Donc le problème, c'est que les canons automateurs, ceux que j'ai en tout cas, sont très très lents pour la recharge. Ah merde, par contre je me suis en train de me faire tirer dessus. Donc je vais me déplacer.
genre comme ça. Et on va essayer de se trouver un autre buisson. Mais là, du coup, j'ai une chenille pétée, donc je me déplace moins vite. Déjà que les canons automoteurs ne sont pas très rapides de base. Wow. Voilà, on va aller se cacher ici. Hop. Et... à go. Où est-il? Où est-il? Ah bah, il a disparu de la map. Ah, je tourne moins vite quand une... Ok, je ne savais pas, merci. Je tourne moins vite quand la chenille est pétée et je vais moins vite quand le moteur est cassé. Alors là, par contre, il y en a un qui traîne juste là. Merde, encore la chenille. Donc là, je sais pas où j'ai tiré du tout. Je crois que j'ai tiré sur un gars. Lui, je ne peux pas l'avoir. Et lui, là, il y en a un qui traîne par là. Ok, il traîne plus, on ne le voit plus. Du coup, moi, je suis repéré. Allez! Bon, on en a tué plus, mais quand même pas beaucoup. Ah là! Et je peux pas l'avoir, il est derrière un caillou, évidemment. Par contre, on va viser là. Avec un peu de chance, il va venir juste ici, le mec. Ah, il y en a un là! Lui, je peux l'avoir. Alors, en théorie, il a disparu, mais si je tire dessus, hein, ça lui fait toujours des dégâts. Mais je le vois plus parce qu'il est plus à portée des autres tanks. Plus personne ne le voit. Est-ce qu'il veut pas faire tomber un arbre pour que je le chope? Non, bon, on va tirer en random ici par exemple. Il était pas là. Si je l'avais touché pile dedans, il n'y aurait pas eu l'explosion. Comment on vise comme ça? Bah, simplement, hop, je vise. Alors, c'est certains chars, hein, c'est seulement les chars automoteurs, les canons automoteurs, c'est ce que j'ai là. Et tu presses Shift pour avoir cette vue. Et c'est seulement les canons automoteurs. Vous les avez à partir du tier 2, je crois. Le premier canon automoteur que j'ai eu, c'était un tier 2. Bah voilà, bah là je campe, hein, j'attends. On attend que quelqu'un se décide à bouger, parce que moi j'ai une chenille pétée, donc je ne vais pas bouger. Faut que tu attendes beaucoup plus avant de shooter à ce 2. Oui, je sais, mais le problème c'est que... Ah! Allez, est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que je peux l'avoir? Yes! Feu! Ah, j'ai tiré juste au-dessus! Ah, genre comme il prend cher, le mec. Et là, par contre, je peux plus l'avoir. Ah, il est à 2%, alors avec un peu de chance... Allez, recharge, bon voilà, il a pété. En fait, il y a plein de monde qui campe, hein, là, du coup. Bon, bah, je propose de me déplacer. Alors, lui... Ah, mais voilà, c'est sur lui que je tire. Casse-toi! Du Koa, pousse-toi! World of Tank, c'est World of Tank, c'est pas un clone de World of Tank, c'est World of Tank. Merde, là évidemment quand moi je bouge, les autres sont spotés, donc du coup je vais avancer un peu. Je vais aller me mettre dans les buissons. Voilà. Here we go. Ok, lui je peux pas l'avoir, les autres on les voit plus. Il y en avait un par là, je crois. Ok, à quand les résultats des clés? Alors le concours se finit demain soir, et c'est pas moi qui tire au sort, hein. C'est CDK House. Et les gagnants seront contactés par message privé sur YouTube directement. Donc ne vous faites pas de soucis, mais par contre je sais pas si moi j'aurai le nom des gagnants. Merde. Ok, super, donc j'ai plus de canon, enfin j'ai encore un canon mais il est endommagé. Génial. Donc je me casse, je recoule un petit peu. Perte de précision, c'est quand? Je peux te dire si tu as gagné. On peut, on te le dira si on a gagné As-2. Ouais, alors volontiers, si jamais vous recevez un mail comme quoi vous avez gagné le jeu, dites-le moi. Très volontiers. Bon, là ça commence à faire un peu long. Go Rush! Où il est lui? Je vous couvre. Go! Affirmatif, on est deux, défendez la base. Ouais, on s'occupe de défendre la base. À l'aide, il y en a un qui crie à l'aide. Ok, lui il découvre comment on presse sur les boutons, je pense. Azu, est-ce que tu as la qualité du jeu est au maximum? J'ai rien touché, je suppose, graphisme. Améliorer maximum, ouais, tout est au maximum. Alors lui, je ne peux pas le toucher.
Mais s'il sort ne serait-ce qu'un tout petit peu son pif, il va prendre cher. Oh, tu vas prendre... Genre comme ça. Merde, juste à côté. Fuck. Allez, go, 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 vas-y, Matt. Vas-y, Matt, à fond dessus, GG. Azé, tu peux refaire un OCTC. C'est pas ce soir. Le stream va se terminer dès que j'aurai fini cette partie. Donc, par contre, si vous voulez que je vous ajoute dans mes amis, restez sur le canal AS de PIK sur, sur World of Tanks. Et je vous ajoute. Bah voilà, j'ai pété. Donc, du coup, hop, je ferme. Ceci comme ça, voilà. Donc ne quittez pas le canal AS2PIK si vous n'êtes pas ami. Si jamais vous êtes ami, vous pouvez vous découvrir. Je ne referai pas de partie après hors ligne. Donc voilà, merci à tous d'être venus. C'était très 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 sympa. J'espère que la plateforme Eclipsia vous plaît. En tout cas, moi je suis très content d'être là. Le chat et tout, c'est vraiment la classe. Donc je suis vraiment content. Et on se retrouve alors peut-être demain pour un live improvisé. Je ferai une vidéo d'annonce sur le chat de toute façon. Et je vous rappelle, je cherche des graphistes pour me faire soit des HUD pour le jeu, soit enfin pour les jeux StarCraft, Minecraft, World of Tanks, d'autres jeux aussi. Soit ça, je cherche aussi des personnes pour me faire un logo éventuellement, ou qui font de la musique. N'hésitez pas à me contacter soit par Twitter, soit message privé sur YouTube, et je vous créerai une adresse email exprès pour ça, que je vous donnerai durant mes prochains lives. Voilà, très bonne soirée à tous, merci d'être venus. Prochain live, je ne sais pas quand, n'importe où, n'importe quand. Et puis voilà, bonne soirée, salut !